C'est devant un public attentif qu'Antoine Aiello présente ses spécimens de Danti ou Dantex Dantex, les géniteurs d'abord, puis les 8000 juvéniles issus du travail des ingénieurs de Stella Mare. Ici, on reproduit des poissons comme ces corbes. Tout ce que vous voyez ici est issu du littoral de la Corse. Mais encore des homards, du plancton, des oursins ou des araignées de mer. Objectif, promouvoir une aquaculture durable et une pêche responsable en protégeant la ressource halieutique. Nommé expert pour ce groupe de travail européen, le directeur de Stella Mare a voulu réveiller les consciences. J'ai plaidé en la faveur du développement de l'ingénierie écologique marine et littorale comme étant un levier fabuleux en termes de développement et de préservation des espèces, notamment des espèces que nous travaillons depuis des années avec les pêcheurs et les aquaculteurs. Et c'est d'allier à la fois la protection de ces espèces et leur développement. Car il y a urgence pour la biodiversité. On assiste aujourd'hui à une nouvelle extinction de masse. La démonstration a marqué les esprits. Ça m'a ouvert les yeux sur le fait que les choses sont bien pires que ce que je pensais. Son message, c'est que les choses que nous devons faire, nous aurions déjà dû les faire il y a 20 ans, car nous nous approchons très vite d'une limite que nous ne pouvons pas nous permettre de dépasser. C'est le Corse Henri Malos, rapporteur du groupe de travail, qui a proposé cette visite. Pour lui, Stella Mare est un exemple à suivre en Europe. Notre milieu marin est un peu moins dégradé que dans d'autres zones de la Méditerranée. Donc là, on peut obtenir des résultats probants par la recherche, par l'expérimentation, mais aussi en faisant intervenir les pêcheurs, tous les autres acteurs du milieu marin, et démontrer qu'on peut reconstituer un milieu riche sur lesquels des populations peuvent vivre. Demain, une expérience de dépollution sera menée avec l'immersion de ces huîtres dans le vieux port de Bastia. Thank you.